Bonjour à tous. Avant de commencer cette table ronde, on a un petit mot à faire passer. Donc Stéphane. Oui, alors c'est une table ronde qui est consacrée à la restitution d'une étude sur le marché de l'open source en France et en Europe, qui a été réalisée par le groupe Technologie, anciennement une entité qui était connue sous le nom de Pierre Audouin Consultant, PAC. Et c'est une société avec qui on travaille depuis assez longtemps. Je crois que c'est la troisième étude qu'on fait sur un sujet similaire avec eux. Et au-delà, bien sûr, des chiffres et des résultats qu'on va commenter, je voulais signaler avec une certaine émotion le fait qu'on a travaillé sur ces études, et même depuis plus longtemps sur d'autres sujets, avec Mathieu Poujol, qui était consultant au sein de PAC, spécialiste, entre autres, ce n'était pas sa seule spécialité, mais spécialiste du marché open source depuis 2004. Et malheureusement, Mathieu nous a quittés très récemment, c'était la semaine dernière. Et donc, je tenais à lui rendre hommage et adresser nos condoléances, pardon, aux gens de Pierre Audin, enfin de PAC et à sa famille, bien évidemment. Si je peux me permettre, juste rajouter un mot pour dire que travailler avec Mathieu, c'était quelqu'un d'expert, passionné par notre communauté, et c'était quelqu'un qui avait une très forte humanité, et c'est vraiment un très gros chagrin. Merci. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, à part qu'il faut profiter de la vie, voilà. Tout à fait, merci. En tout cas, toutes nos pensées sont avec sa famille, à qui nous présentons effectivement toutes nos condoléances. Alors, nous avons beaucoup parlé stratégie d'entreprise cette matinée, stratégie open source. Maintenant, on va regarder un petit peu plus les retombées. Donc, effectivement, les entreprises décident d'adopter l'open source, de rentrer dans cet univers-là. Quel impact sur l'économie, quel impact sur leur secteur. À l'initiative du CNNL, du Syntech numérique et du pôle systématique. Donc, il y a une étude qui a été menée auprès de 117 organisations en France et en Europe. Donc c'est Technology Group qui a mené cette étude. Et donc nous allons présenter les résultats ce matin. Donc nous avons Marc Palazon, qui est CEO de Smile et président du comité open source de Syntech numérique. Donc vous allez nous expliquer un petit peu, là si j'avance, l'impact de la transformation digitale justement sur l'open source en Europe. Comment cette transformation permet de porter et de pousser l'open source. Ensuite, nous avons donc Philippe Montargès, qui est ici dirigeant et cofondateur d'Alterway, et donc président du hub open source du pôle systématique. Et donc vous allez nous présenter plutôt la partie stratégique pour les entreprises, en quoi l'open source est stratégique pour le futur des entreprises. Et finalement, donc Stéphane Fermigier, CEO et fondateur d'Abilian et co-président du CNLL. Et donc vous allez nous expliquer un petit peu quelles sont les disparités, les différences entre les différents pays européens vis-à-vis de leur stratégie open source. Voilà. Donc Marc, à vous. En fait, cette étude, déjà, c'est important qu'elle existe et qu'elle soit mise à jour. Donc il faut remercier tous les acteurs qui l'ont mis en place parce que justement, l'open source est arrivé dans une maturité qui fait que c'est un élément fondamental de l'IT dans le monde et en France en particulier. Et donc c'est important d'avoir des indicateurs et de voir comment il évolue, tant de manière quantitative que qualitative. Donc là, je vais vous parler un petit peu plus du quantitatif pour vous expliquer un petit peu ce qu'il représente aujourd'hui comme marché, sur un marché donc qui est déjà très mature pour l'open source. Donc on peut passer à la slide d'après. Donc en synthèse, là vous avez les chiffres de l'open source en France et puis dans les principaux, donc en UK et en Allemagne, et puis le reste de l'Europe. Donc ce qui est important de voir, c'est le volume que ça représente en termes de chiffre d'affaires et d'activité, et puis également taux de croissance. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on reste sur des taux de croissance qui sont très, très importants, puisque la prévision parle de 9% à peu près en France, et dans le reste des pays, c'est un peu en deçà, Allemagne ou Angleterre, on est autour plutôt de 8%. Mais ça veut dire qu'on est sur des taux de croissance qui sont plus du double de la croissance de l'IT globale, puisque bon, Syntech Numérique, entre autres, présente une étude chaque année pour parler un petit peu de l'évolution du marché. Et l'évolution du marché en 2019, il est autour de 3-4%. Donc quand vous avez un marché qui fait 9, c'est plus de 2 fois la croissance. Et sur un marché dont le volume commence à être très important, on va le voir dans le slide d'après pour la France, mais vous voyez que ça représente près de 6 milliards, 5,7 milliards sur la France d'activité.
un peu plus de 5 milliards sur l'Allemagne, un peu plus de 5 milliards également en UK, et plus de 9 milliards sur le reste des pays européens. Et ce qui est intéressant de voir également, ce qui est un peu logique aussi, hein, c'est que les pays européens dans lesquels les marchés sont plus petits et peut-être un peu moins matures, bah, le taux de croissance est encore supérieur, puisqu'on est plutôt autour de 10% que de 8-9% dans les pays un petit peu plus matures. Donc, en gros, en synthèse, ce slide, ce qu'il faut retenir, c'est une croissance très soutenue sur un marché qui est devenu mature et avec des volumes très importants. Ensuite, si on fait rapidement un petit focus sur la France, on voit donc les prévisions sur les 4 prochaines années, puisque là, vous avez donc 2019, c'est ce qui était présenté dans le slide précédent, à 5 milliards 2, et on vise en 2023 un périmètre de plus de 7 milliards, 7 milliards, 7 milliards 5, avec un taux de croissance qui devrait se maintenir sur les prochaines années à 9%, malgré une taille de marché importante. Et ce qui est important aussi de souligner, et c'est peut-être le dernier point, c'est combien ça représente de l'IT global dans l'activité en France. Donc vous voyez qu'en 2019, on est à 10%. Et c'est une très grosse progression. Moi qui suis malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, un vieux de la vieille de l'open source, et je me souviens des premières études, on était à 2-3% du marché. Là, on est à 10% du marché l'IT. Donc quand on est à 10%, on n'est plus quelque chose de parcellaire, on est quelque chose qui est une fondation maintenant de l'IT globalement. Et on verra d'ailleurs les raisons pour lesquelles l'open source est intéressant pour les entreprises. On est à 10% et on devrait atteindre les 12% en 2023 du marché global grâce à une croissance plus soutenue que le marché de l'IT. Voilà, donc en synthèse, un marché qui est mature, qui continue à se développer avec des leviers de croissance importants qui sont la partie business, l'innovation, mais vous allez en parler juste après avec Philippe et Stéphane. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc maintenant, on va regarder comment l'open source constitue réellement une stratégie du futur pour les organisations. Oui, alors ce qui ressort de cette enquête qui a été menée par Technologie auprès de 117 entreprises et donc décideurs dans ces entreprises-là, c'est effectivement le point clé, c'est que l'open source est devenu mainstream dans la transformation digitale et les stratégies d'innovation des entreprises et des organisations. Donc c'est le point qui est important, qui ressort. Il y a quelques années, je me rappelle, dans les premières études qu'on menait, et puis je me rappelle une conférence qu'on avait faite il y a quelques années à l'Open War Forum, où l'open source était assimilé à des stratégies, on va dire, low cost et de générique par rapport aux solutions propriétaires. Et ce qui ressort là de cette enquête, de l'étude auprès des décideurs, c'est que l'open source, maintenant, c'est assez inversé. C'est elle qui tire le train de la croissance numérique, c'est elle qui tire le train de la croissance et de l'innovation. Et donc, il y a une inversion, en fait, du sujet, c'est-à-dire que l'open source est vraiment générateur de création de valeur par l'innovation que ça crée. Donc c'est un point important. Il y a un deuxième point, et notamment dans toutes les stratégies d'adoption de l'open source par les grandes directions, on s'aperçoit aussi qu'il y a une inversion. Longtemps, l'open source a été poussé à l'origine par les CTO et même les responsables d'infra, et on était dans les couches basses, on va dire, du système d'information. On s'aperçoit avec la lecture de l'enquête que maintenant, ben, il y a toujours 67% de préconisation ou de sponsoring de l'open source dans l'entreprise qui est faite par les DSI et les responsables techniques, mais que la part des CEO, des directions générales et la part des directions métiers dans l'entreprise augmente d'année en année. Donc on voit là sur le schéma qu'effectivement, on arrive presque à un 60-40, on n'est pas loin de cette... Donc il y a une évolution forte qui s'opère dans le sponsoring au sein des entreprises, au niveau des directions générales, de qui lance les stratégies open source. Et ça, c'est aussi un signe que, effectivement, pour les directions générales, pour les grandes entreprises, pour les grandes organisations qui sont en phase de digitalisation ou de stratégie d'innovation, l'open source n'est pas une solution low cost, mais bien une solution d'innovation, une solution qui va créer de la valeur. Donc, c'est étayer ça. Dans ce slide qu'on avait mené, c'est cette question qui avait été menée aussi dans l'étude précédente en 2017, il me semble, où on voyait que les critères qui faisaient qu'on retenait une solution open source au sein d'une entreprise sont ceux qui sont listés là. Et ce qui apparaît dans le trio de tête, ben maintenant, ce qui apparaît en tête, c'est qu'effectivement, l'open source, pour ces directions générales, pour ces sponsors des projets informatiques dans les grandes entreprises, c'est d'abord une source de customisation, de personnalisation, donc d'intégration au sein de personnalisation et au sein de l'entreprise plus forte de leur système d'information, de personnalisation,
et que ça correspond bien à un besoin donc spécifique aux entreprises, à cette nécessité de réinternaliser quelque part le savoir-faire et le SI en interne. Donc c'est un souci important d'indépendance technologique et de personnalisation. C'est le premier critère qui ressort de l'étude. Le deuxième critère qui ressort, c'est effectivement d'être cette logique d'indépendance. Mais le troisième critère qui était la réduction des coûts n'est plus que troisième, alors que je me rappelle, il y a une certaine époque, il était encore en tête dans les résultats de ce type d'interview. Donc c'est un point important, c'est cette nécessité de l'open source apparaît vraiment comme le, j'allais dire, à la fois le couteau suisse numérique, c'est-à-dire que c'est un peu la boîte à outils pour effectuer, à l'époque on faisait effectuer des applications génériques, mais maintenant c'est la boîte à outils pour l'innovation. Donc ça devient vraiment ça. Et c'est pour ça que quand Jean-Luc Bella présentait tout à l'heure un peu les stratégies d'évolution des pôles de compétitivité, on peut bien affirmer, et c'est ce qui se passe au sein de Systématique, que l'open source est vraiment un deep tech, une deep tech en tant que telle, une technologie structurante, infusante, qui permet effectivement d'accélérer l'innovation globalement. Et un point qui est important, qui est effectivement qu'on en fait tout à l'heure, c'est que tout projet nouveau qui se lance maintenant, qui concerne les nouvelles technologies, les nouveaux segments de marché, que ce soit l'IA, que ce soit la blockchain, que ce soit le data management, sont embarqués systématiquement des solutions open source. Donc c'est un point important qui ressort de cette enquête. Tous les nouveaux projets, c'est plus des projets, j'allais dire, de migration ou de conversion de mon système propriétaire en open source, mais c'est vraiment tous les nouveaux projets qui migrent en embarquant de l'open source. Et dernier point, on s'aperçoit que dans cette enquête-là, ce qui ressort, c'est que vraiment l'open source, les composants open source apparaissent vraiment, et ça c'est une transition que je fais avec Stéphane, c'est un atout fort pour les entreprises, bien sûr, qui opèrent leur digitalisation, pour globalement l'économie numérique en France, mais c'est un atout fort au niveau de l'Europe. On voit qu'il y a un enjeu fort, une grande majorité là, de répondants perçoivent l'open source comme un atout pour retrouver un leadership numérique européen. Et donc, c'est un point important. Et je laisse la parole à Stéphane. Merci beaucoup, Philippe, pour cette superbe transition, du coup. Donc, Stéphane, on vous laisse expliquer un petit peu ce qui se passe en Europe. Oui, merci. Je voulais juste préciser que l'étude, je crois qu'on ne l'a pas encore publiée sur nos sites web respectifs, mais nous, en tout cas, on va incessamment la publier. Elle est encore en cours de complétion sur certains sujets, notamment les sujets européens, mais la version définitive sera prête dans quelques jours. Sur l'Europe, effectivement, on a plusieurs points de vue maintenant qui sont convergents. Et effectivement, les grands chiffres qu'on a donnés en début de l'étude, qui est le volume global du marché européen, on va dire autour de 25 milliards d'euros, donc c'est quand même une somme tout à fait conséquente, avec trois leaders qui sont à peu près clairs, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, et puis le reste de l'Europe qui, pour des raisons techniques de réalisation de l'étude, sont inclus dans un seul chiffre. Mais on va voir qu'il y a des grandes disparités. Le deuxième point qui est sur ce slide, c'est bien sûr que l'Europe, les gens en Europe, et en particulier en France, pensent qu'on a tous les atouts pour réussir et faire avec l'open source un levier pour retrouver une certaine forme de souveraineté numérique, hein, pour devenir les leaders ou pour rester les leaders dans ce domaine. Et finalement, dans les grands enjeux géostratégiques qu'il peut y avoir avec les Américains d'un côté, avec l'Asie et notamment la Chine de l'autre, l'Europe a tout à fait des atouts à jouer en s'appuyant sur son expérience en tant que développeur, en tant que l'existence de communautés open source en Europe, et également le fait qu'on soit plutôt en tête pour l'adoption du logiciel libre dans nos pays. Alors, donc la dernière partie de l'étude, c'est un panorama d'un certain nombre de pays européens. Bon, encore une fois, il y a une trentaine au moins de pays qui sont pertinents. Si on regarde l'Union européenne, plus les pays associés, la Suisse, par exemple, est un marché tout à fait intéressant à étudier. Le premier constat, c'est que tous les pays n'ont pas répondu à notre étude. Et c'est là qu'on est en train d'essayer, notamment avec le CNLL et avec des associations nationales dans un certain nombre de pays, de fédérer un peu toutes ces réflexions
toutes ces, comment dire, ces fédérations d'écosystèmes industriels de façon à avoir une plus grande représentativité au niveau des institutions européennes. Alors, sur ce slide précis, bon, vous avez trois exemples, je ne vais pas les commenter en détail, mais on voit que, et on imagine forcément qu'entre un grand pays comme l'Allemagne, où il y a une forte culture informatique, mais où il y a aussi un très grand acteur qui est finalement qui domine un petit peu le marché allemand, SAP pour ne pas les nommer, ça va être très différent de la Finlande avec son historique par exemple dans les télécoms, ou des entre guillemets petits pays comme la Croatie. On va avoir aussi des incitations au niveau des pouvoirs publics qui seront très différentes selon les pays. Donc on a certains pays où il y a eu des politiques, le Royaume-Uni notamment, il y a eu une volonté politique qu'on a pu avoir aussi en France, mais parfois la volonté politique ne se traduit pas forcément en actes de la part de l'administration. Donc tout ça, ça mérite d'être mis à plat. L'Europe a lancé il y a 2-3 semaines un grand mouvement, quand je dis l'Europe, je parle de la Commission européenne, a lancé l'année de l'open source au niveau de la Commission européenne. Pendant un an, il va y avoir une étude beaucoup plus large qui va être réalisée dans les 6 prochains mois, vraiment au niveau global de l'Europe, et qui sera avec des moyens beaucoup plus importants que ceux qu'on a pu mettre sur la nôtre. Mais on va bien sûr contribuer nous-mêmes, notre expertise à et notre expérience, nos 10 ans, nos 20 ans d'expérience sur l'étude du marché de l'open source en France, à cette analyse, et essayer de faire en sorte que l'ensemble des pays européens, finalement, je ne vais pas dire qu'ils s'alignent sur qu'on s'aligne sur les best practices, qu'elles soient en France, qu'elles soient en Allemagne, qu'elles soient au Royaume-Uni, qu'elles soient en Croatie ou en Finlande. Il y a un ensemble de best practices pour arriver à faire progresser notre marché, et on va y travailler, c'est nos enjeux pour les années qui viennent, et notamment l'année 2020. Très bien, merci Stéphane, merci messieurs. Donc pour résumer, l'open source, ce n'est plus du tout une niche, hein, l'open source s'installe, il y a une croissance soutenue, c'est un driver vraiment très fort pour l'innovation. Toutes les activités stratégiques d'IoT, d'intelligence artificielle, les donneurs d'ordre sollicitent l'open source, et donc si on doit résumer, c'est joignons nos efforts, continuons le travail pour que l'open source ne soit plus une alternative, mais réellement une norme. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Thank you.